Je vais vous parler méditation aujourd'hui, du moins peut-être ce que j'en sais, parce que je suis loin d'être un expert en méditation, mais j'ai deux trois expériences quand même, parce que alors déjà j'ai fait le stage Vipassana, c'est une technique de méditation pendant 10 jours. On est en silence complet, ça veut dire qu'on est avec des gens mais on va pas du tout se parler, on va même pas se croiser les regards. On va passer 10 jours vraiment intériorisés et il y a 10 à 12 heures de méditation par jour. Donc pendant 10 jours, c'est très intense. Et je ne vais pas non plus parler de ce que j'ai vécu là-bas parce que c'est très personnel. Chacun vit son expérience et même moi je ne l'ai fait qu'une fois, mais à avoir parlé avec des gens qui l'ont fait plusieurs fois, chaque fois c'est très très nouveau. La méditation, on a toujours cette tendance à l'associer à des heures de mobilité, à un esprit complètement vide, à ne plus penser, à être dans un autre état, à, voilà, on l'associe à toutes ces choses-là. Moi, je vis jamais ça. Alors, ça fait longtemps que j'en fais plus. Je commence à en refaire un petit peu, mais des très courtes. Comme tout à l'heure, je me suis calé sur une respiration, 3 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration. Ça permet de se recentrer un petit peu, de revenir dans le corps. Et toutes les pensées, parce qu'il y en a, il y en a énormément. Moi, je suis quelqu'un qui pense énormément. Je ne vais jamais pouvoir les arrêter. Par contre, ce que je vais pouvoir faire, c'est que quand je m'aperçois que je suis accroché à une pensée, je vais essayer de me concentrer sur quelque chose. Par exemple, là, c'était le bruit des vagues, qu'on entend encore maintenant. Et le bruit des vagues m'emmenait sur autre chose pendant une ou deux secondes. Et ensuite, je me raccrochais encore au bruit des vagues, à celle de maintenant qui avait un son nouveau. Et je me raccrochais au son. À chaque fois, je ramène ma pensée. C'est un côté très artificiel comme ça, mais c'est ça qui fait que petit à petit, on trouve comment et on arrive à sentir comment on arrive à être au moment présent avec ce qui se passe autour de nous. La sensation de l'air qui passe sur nous, un son qui se passe, un oiseau, une vague, une voiture, un train. Et la méditation, c'est ça en fait. C'est quand on arrive à ne plus rester accroché à la pensée de notre collègue de boulot, de celui qui nous a klaxonné, de la route que je dois faire demain, de l'examen que je dois passer dans un mois. Et ces pensées, elles tournent. Et donc un état de méditation, ça va être réussir à ne plus rester accroché plus de quelques secondes à une pensée. Et surtout, dans l'entraînement, ça va être de se rendre compte au moment où je suis accroché et ne pas dire « Ah tiens, je suis encore accroché à une pensée. » Ça, je me juge. Non, tiens, cette pensée-là, comment je vais pouvoir réussir à la faire passer en passant à une autre. L'entraînement passe par là. Je vais pousser une pensée par une autre, et je vais pousser cette pensée par une autre, et je pousse par une autre. Voilà. Avec ça, je vais chercher les sensations qui se passent dans mon corps. Hop, je vais scanner un petit peu mon corps, comment je suis au sommet de ma tête, comment je suis dans mes yeux, comment je suis dans ma mâchoire, peut-être un peu tendu, c'est souvent, je relâche, dans mes épaules, je relâche, et je scanne tout mon corps comme ça. Et quand j'arrive au coude, tiens, j'ai cette pensée qui tourne depuis tout à l'heure, depuis que je suis parti des yeux, par exemple. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a une vague. Je la laisse passer. Ok, je continue. Comment je suis dans mes poignets? Et ainsi de suite. Ça, c'est un entraînement de méditation. Pas longtemps. Ne vous fixez pas un quart d'heure de méditation pour commencer, parce que ça sera un échec. Si vous avez envie de savoir un petit peu ce que c'est la méditation, commencez par une minute de respiration régulière et à passer à 2 pensées, 3 pensées peut-être. Une minute le lendemain. Si cette minute-là s'est bien passée, je vais faire 2 minutes. Puis je vais rapidement passer à 5 minutes. Je vais rester sur ces 5 minutes-là parce qu'il va y avoir des vagues. Il y a un jour où je vais très bien y arriver, un jour où je ne vais pas réussir du tout. Un jour, je vais réussir à rester un quart d'heure comme ça. Le lendemain, je ne vais pas réussir à faire 2 minutes sans avoir envie de me gratter. L'esprit, il va emmener à plein de choses. Envie de gratter, et puis il y a un bruit qui truc, et puis je dois aller vérifier si j'ai bien fermé le robinet, et puis je dois aller vérifier mon agenda, et l'esprit il ramène toujours à des envies comme ça. Et l'idée petit à petit, ça va être
de repousser toutes ces envies, de négocier avec l'esprit, de dire « Ok, peut-être le robinet il est ouvert, et alors ?» Si l'eau elle coule pendant 5 minutes, c'est ok. Et c'est repousser, repousser à chaque fois comme ça. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à m'écrire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez envie d'essayer de méditer? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a déjà traversé l'esprit en vous disant « Tiens, j'apprendrai bien à méditer, mais je ne sais pas comment. » C'est pas pour moi, ça aussi. J'ai le cerveau qui tourne trop, alors la méditation, c'est pas pour moi. Peut-être que les 1 heure de méditation, c'est pas pour toi. Mais apprendre à se mettre dans une respiration régulée pour retoucher notre corps, pour se recentrer dans une situation stressante ou embarrassante, tout ça, c'est souvent quelque chose en fait qui peut nous être bénéfique à nous tous. Voilà la petite pensée du jour et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao.